Bonjour, bonjour. La sagesse divine, la présence de vos ancêtres et la présence de mes ancêtres. Nous venons nettoyer l'atmosphère de toute distraction. Donc, je vais vous dire ce que l'esprit m'a mis à cœur de vous dire ce matin. Et comme l'aurore qui est en train de. Le soleil qui est en train de se lever, vous allez. Je veux que vous compreniez que votre vie peut être relancée par vous. Votre vie peut être attaquée, mais c'est vous qui permettez qu'elle tombe. Parce que je parle avec tellement de personnes. J'ai parlé avec une dame hier. Ça fait 3 ans, elle me dit qu'une dame a ensorcelé son gars, son ex. Elle est partie avec le gars. Et 3 ans plus tard, elle est encore au même point. J'étais un peu scotchée, choquée. Tu passes 3 ans à attendre que quelqu'un, même s'il a été ensorcelé, même peu importe, tu penses vraiment que tu vas attendre pendant 3 ans. Et à la fin de la conversation, me demande est-ce qu'il va revenir. Certains d'entre vous, votre vie n'avance pas, c'est de votre faute. Bonjour, feu de Dieu. Votre vie n'avance pas, c'est de votre faute. Vous êtes en stand-by, c'est vous qui avez cherché. Vous avez tellement donné votre pouvoir à d'autres personnes. Vous vous dites que vous dépendez. On a commencé tel. Je suis arrivé en France, peut-être à cause de lui. Ah, comment je peux espérer vivre en France sans lui? Babe, écoute, inspire un peu là. Personne ne t'a donné le souffle, non? Personne n'a mis l'air dans tes poumons, non? Bonjour Miranda. Parfois vous oubliez. Voilà le soleil qui est en train de se lever. Au temps d'Abraham, ce soleil était là. Au temps de Jésus, c'était là. Pour les musulmans, au temps de Mohammed, c'était là. Voilà mon temps. Le soleil est là et il se lève toujours. Tu penses vraiment que quelqu'un a le pouvoir d'arrêter ta vie? Non, blague à part. Et il y a une façon que vous avez de ruminer le passé. Oh, il m'a fait ça. Ça fait combien de temps? Non, ça fait seulement 8 ans qu'il est parti. Et elle est en train de pleurer. C'est comme ma mamie. 8 ans. Vous devez vous
concentrer sur votre futur et principalement ta mission de vie et comment te faire de l'argent. Voilà le matin. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas de plan. À part aller travailler pour la... Ton petit boulot que tu as obtenu là, jusqu'à tu travailles, tu as peut-être 70 000 ou bien... Supposons que tu as 1500 euros le mois. Si tu n'as pas de plan, dans 10 ans, tu seras en train de toucher 2000 euros. Et donc ça, ta vie sera très finie. Cette personne de TikTok, quelle est la question que tu as posée? Bonjour Vérène, bonjour Yami, Happy, bonjour. Vous devez savoir qu'il y a des cycles inévitables de votre vie. Il y a des choses que vous montez, vous descendez, ça va arriver. Comme peut-être le fait que pour l'instant tu as 30 ans. Inévitablement tu auras 35 ans dans 5 ans. Maintenant tu vas pouvoir te mettre à cœur que si je bosse, je sors mes produits, je vends. Parce que là où ton énergie, ton attention part, ton énergie part. Et là où ton énergie part, si tu n'as pas bien calculé, supposons que tu mets ton énergie sur les problèmes que ton ex t'a fait. Vraiment, je suis en train de voir un lever de soleil, c'est magnifique. Oh là là. Waouh. Bonjour monsieur soleil ou madame soleil. Peu importe ton sexe, bonjour. Waouh. Vous savez que les astres parlent, non? Vous savez qu'on peut communiquer avec la lune, pour communiquer avec le soleil, non? Yami, si tu as eu la fièvre, il faut aller à l'hôpital, s'il te plaît. Le soleil parle. Vous pouvez aussi demander vos bénédictions au soleil. Le soleil parle, c'est seulement que vous n'écoutez pas. La première chose, quand vous voulez parler avec un astre, vous devez le bénir. Première chose. Et lui dire merci. On vient vers Dieu, on vient vers un astre, peu importe, avec la gratitude. Troisième chose, tu auras le cœur ouvert. Tu vas admirer la chose ou la personne. C'est pour ça que quand on parle à Dieu, en entrant avec des louanges, Dieu nous parle plus facilement. Parce que on est venu en admirant la beauté du Père. Dieu aime les flatteries. Hein? Tous les astres aiment les flatteries. Oh soleil, que tu es beau, merci. Et là, ça c'est sûr. Moi, c'est comme ça que je communique avec le soleil, en tout cas. Et le soleil est très gentil. Généralement, il dit des merci. Il y a des beaux messages. De belles paroles. Même les fleurs. On peut communiquer avec les fleurs. Les arbres aussi.
Comprendre le mystère ou la personne ou l'entité du soleil, c'est accepter que peu importe les nuages, c'est-à-dire les problèmes que les personnes vont déposer sur vous. Dans certains pays, le soleil ne brille pas actuellement. Pourquoi? Parce qu'il y a des nuages, parce que peut-être qu'il y a la pluie. Peut-être qu'ils sont juste tournés et ce n'est pas leur heure de la journée. Donc, si des choses ne marchent pas actuellement, ce n'est peut-être pas ton heure. Ce n'est pas parce que ce n'est pas ton heure que ton heure ne va jamais arriver. Ton heure va arriver. Et on peut te couvrir peut-être, mais on ne peut pas te détruire. Il suffit juste que tu attendes un peu. Quand les nuages vont passer, tu pourras briller. Ton argent pourra venir. Prenez l'habitude d'aller dans le parc le matin. Vous vous asseyez, vous regardez, fixez juste les arbres. Vous fixez les arbres, vous allez voir. Les arbres parlent, les fleurs. Les fleurs ont de très très beaux messages. Parfois quand vous êtes stressé, regardez un élément de la nature. Vous allez voir qui va vous parler. Il y en a aussi avec des blessures d'âme. Vous avez des blessures d'âme venant de vos parents, votre enfance. Prenez l'habitude le matin d'écouter les arbres, les fleurs, le vent aussi. Magnifique. Quelle est la source de mon inspiration? C'est le soleil qui m'inspire. Mon inspiration vient du soleil. Tout a toujours une saison. Et vous devez savoir reconnaître les saisons de votre vie. Il y a des saisons où vous devez beaucoup planter, semer. Pendant ces saisons-là, tu auras l'impression que ça n'avance pas. Tu as passé ton temps à donner. Si tout va mal dans votre vie, c'est la saison, non? Je sais que vous aimez venir surtout sur TikTok ici là. Vous n'aimez pas guérir en fait. Vous n'aimez pas, vous aimez les solutions rapides. Il n'y a aucune solution rapide. Aucune. Si c'est rapide, c'est temporaire. C'est de courte durée. C'est de très courte durée. Quand tu es dans une saison, tu dois absolument demander qu'est-ce que cette saison a à m'enseigner. Certains parmi vous, vous voulez sortir de vos maisons, les maisons de vos papas, maman, et vous avez l'impression que vous êtes bloqué. Certains, vous voulez vous marier. On se lave avec le sel à n'importe quelle heure, quitte à vos affaires là. Ouais. Comment vous venez encore seulement compliquer les choses comme ça? Tu as vu où que j'ai dit qu'on ne parle pas quand on se lave avec le sel? On met les vidéos, vous ne regardez pas. Vous voulez savoir la solution rapide. Si tu écoutes 5 de mes vidéos, dans les 5 vidéos, tu vas avoir au moins 50 choses qui vont t'aider. Comme vous voulez seulement le sel, dis-moi, je fais comment? Sel. En fait, vous aimez toutes les solutions rapides. On ne devient pas milliardaire
en une journée. Même Fosso Victor, quand on dit que Fosso Victor était milliardaire, allez voir le temps qu'il lui a fallu. Allez voir les étapes qu'il a traversées. Parce que parfois les gens viennent et ils croient qu'ils sont, ils ont le droit à ce que quelqu'un a. C'est souvent des personnes qui arrivent, commencent à travailler pour moi ou avec moi. On va faire peut-être un partenariat. Et la personne entre et se dit, mais voilà, mais attends. Elle se met seulement devant les gens et parle. Après, on lui donne l'argent. Non. Moi, mais c'est facile, je peux faire ça. Je peux faire ça. Les choses les plus... Moi, je vois ça comme la construction d'un immeuble. Je veux construire l'immeuble. Si je prends 2 jours, je fais la fondation. Vous ne m'entendez pas sur Facebook. Si je prends 2 jours, je fais ma fondation. Thank you, Leila. Good morning and thank you. Greg, good morning. La fondation que j'ai pris 2 jours pour faire et l'autre fondation que j'ai pris 3 mois pour faire. Donga, tu vois le feu sur ma tête? Ok. Je sais déjà qu'il y a le feu sur ma tête. Donc, merci pour l'info. Je ne me suis même pas maquillée, Lucky. Je ne me suis pas maquillée. J'ai pas de make-up, hein. J'ai pas de fond de teint ou quoi que ce soit. Regardez, voilà mon truc. Je ne me suis pas maquillée. J'ai mis mon petit baume pour les lèvres. Je crois que c'est mes sourcils qui donnent l'impression que je me suis maquillée. Donc ma peau est naturellement comme ça. La fondation que tu prends 3 mois pour creuser, pour construire, le building que tu vas élever au-dessus de cette fondation après, sera plus haut. Bien sûr, ça va prendre plus d'argent et plus de temps. Vous suivez? Vous avez déjà investi sur vous jusqu'à pour vous est venu. Wow, wow. Oh, depuis que je dépense sur moi. Oh, depuis que j'ai sorti l'argent de ça. Oui, je vais vous montrer les domaines de votre vie qui ont besoin de guérison. Beaucoup d'entre vous avez besoin de partir payer des séances de rééquilibrage énergétique. Allez faire de l'acupuncture. Allez faire des massages. Ça enlève les mauvaises énergies, ça enlève. Il y en a parmi vous, vous avez besoin de faire de guérir. Vous avez besoin de guérison intérieure. Vous allez investir, payer des coachs. Tu payes un coach, il t'aide dans le business peut-être. Tu payes un autre coach, il t'aide en confiance en soi. Tu payes un autre coach pour les relations amoureuses. Il creuse dans ton passé, il creuse, il voit dans ta mémoire peut-être que tu avais... Ton père avait abandonné ta mère, c'est pour ça que tu avais peur de l'engagement. Tu payes un autre guérisseur, il prend les mauvaises énergies. Tu as déjà dépensé sur toi jusqu'à... Tu es en train de creuser la fondation. Madame, arrête ça. Oh, je parle à qui là? Quelqu'un d'autre va venir 8 ans plus tard. Parce que, écoutez, on a un bagage émotionnel dans nous qui nous empêche d'aller à un certain niveau financier. Ton grand-père était esclave ou ton arrière-arrière-grand-père. Supposons qu'on remonte sur 4 générations. Vous venez d'esclave. Ce qui fait que, en tant qu'esclave, vous avez... Il a passé à ton arrière-grand-père la peur d'avoir de l'argent. Ton arrière-grand-père a passé à ton grand-père
la peur. Et côté relation, peut-être ton arrêt-grand-père, ton arrêt-grand-mère, là, il avait seulement pris que viens, on reste. Peut-être elle était orpheline et puis elle était belle. Il a dit bon, viens alors rester chez moi. Elle a vécu malheureuse toute sa vie. Elle a eu ta grand-mère. Ta grand-mère aussi, elle s'est mariée avec quelqu'un, la personne l'a abandonnée. Elle a élevé ta mère seule. Ta mère rencontre ton père. Elle t'accouche. Ça ne se passe pas bien. Après, elle te laisse, elle part en Europe. Elle passe même 15 ans d'abord, avant de te faire venir. Car, tu sais quoi? Tu es plein de bagages. Il y a les choses dans ton corps jusqu'à... Il dit que tu as les choses comme ça. Certains d'entre vous, comme par exemple, Mema qui dit qu'elle a, on a saisi tout son sa marchandise. Parfois, certains d'entre vous, vous avez vu votre mère peut-être faire du business, après elle a échoué. Donc vous êtes programmé pour ne pas maintenir votre succès. Ce qui fait que quand tu arrives à un certain niveau où tes choses marchent bien, tu vas créer un truc. Peut-être tu vas pas payer tes impôts à temps. Peut-être tu es dans une relation, tout marche bien. Un matin, tu te lèves comme ça, là, tu gâtes tout. Parce qu'il y a, il y a un schéma de pensée dans toi qui fait que tu n'acceptes pas totalement que tu peux être heureuse. Tu n'acceptes pas que ton argent peut entrer. Depuis 6 mois, mes revenus doublent chaque mois. Premier mois, j'avais 500 000. Deuxième mois, 1 million. Troisième mois, 2 millions. Quatrième mois, 4 millions. Cinquième mois, 8 millions. Écoutez, tu es tombé sur un business que chaque fois que tu mets l'argent dedans, l'argent la source se multiplie par toi. Toi là, si tu n'es pas encore guéri à l'intérieur, c'est pour ça que vous voyez souvent, j'ai beaucoup d'amis, je m'appelle un en particulier, il est Bouddha. Il a beaucoup d'argent. C'est un bosseur. Il est parti chercher une femme que quand il te drague dehors, hein, maman, il va te dire comment il n'aime pas sa femme. Comment il se bagarre avec sa femme tous les jours. Il va la sorcière là, hein, la sorcière là. Pourquoi tu ne quittes pas ta sorcière? 6 ans plus tard, tu les vois ensemble. On a encore fait 2 enfants. Hein. Quand il vient me raconter cette bêtise là, il ne calcule même plus. Il dit, pardon, quitte avec ta sorcière là. Donc, c'est comme s'il peut avoir du succès financier, mais de ce côté-là, il va se saboter. Et quand tu vois la vie de sa mère a toujours... Donc, son père était même mort, ça fait peut-être 4 ans que son père est mort. Père et maman, papa et maman, là, il n'y avait pas d'entente, pas d'harmonie. Il est en train de répéter ce schéma sur ses enfants. Donc, ses enfants savent que nos parents sont toujours en train de se bagarrer. Sont toujours en train de s'insulter. Bonjour, bonjour. Bonjour, merci Leïla. Donc, il a peut-être vaincu la pauvreté parce que son père n'était pas très riche. Et il se souvient qu'il y a aujourd'hui des immeubles ici en Europe. Il y a beaucoup d'immeubles. Mais quand tu vois côté amour, il a répété le même schéma que ses parents. Maintenant, je peux déjà vous anticiper les problèmes. Les problèmes. C'est ma chienne en fait. Elle est en train de manger des coquillages à côté de moi. Ça m'énerve. Les enfants de cet homme vont grandir, ils auront du succès financier. Côté relation, ils seront très tôt, ils seront messes. Et comme dans 15 ans, les enfants seront plus forcés de se marier, ils vont peut-être avoir relation après relation. Parce que parfois, on se marie parce qu'on veut faire plaisir à la famille. Mais je pense que dans 20 ans, on sera dans une mère où
Celui qui va se marier, je laisse. Il veut pas marier, laisse aussi. Bonjour Tessa, la reine Tessa. Donc vous allez remarquer ces choses. Ouais. Laisse-moi ça. Arrête. Bien. Tu aimes trop jouer. Pourquoi tu aimes le jeu comme ça? Regardez là aussi. Arrête de m'embêter. Tu fais trop de bruit. Bonjour Victoire depuis Dubaï. J'aime trop le jeu. J'ai pas envie de jouer, c'est pour ça. Ça, ce sont les sujets que les Noirs n'aiment pas aborder. Et même le fait de ne pas vouloir aborder ça, ça fait partie de notre bagage. On a... C'est comme s'il y a quelque chose dans ton corps. Voilà. Je vais utiliser les câlins. Très peu de Noirs aiment les câlins. N'est-ce pas? Combien d'entre vous avez été avec des hommes qui ne savent pas exprimer leurs sentiments? Combien? Tu sors avec un homme, il n'arrive pas à te dire qu'il t'aime. Vous avez un problème, il fait un peu comme à l'ancienne là. Il ne s'excuse pas, il ne parle pas. Après, il vient, il t'offre un petit truc, il te fait, ou bien la femme, elle te fait ton repas préféré. Parce qu'il y a... Il y a quelque chose en nous, en fait, surtout les Noirs. Il y a quelque chose en nous. Je me rappelle quand j'étais petite. Bonjour Louise. Quand j'étais petite, quand je voyais même les gens à la télé se faire des câlins, ça m'embêtait. Parce que j'ai gardé avec ma grand-mère. Ma grand-mère, l'étude d'émotion, d'affection là. Hey, pardon. Hey, pardon. Qui t'écoute? Elle ne veut pas entendre. Hey, pardon, putain, ça. Il faut peut-être un enfant qui pleure, sa mère dit, oh, viens là mon bébé. Elle le prend dans ses bras, elle fait, ça va aller. Quand ma grand-mère voyait ça, elle insultait même en fait ces actes-là. Elle insultait même. Elle dit, pourquoi vous ça? Et quand j'ai regardé le passé de ma grand-mère, comment est-ce qu'elle a grandi, j'ai compris. Et ces choses, elle a passé à mon parent aussi. Oui, c'est un blanc, oui, mais c'est plus chez nous. Et vous savez, les blancs ont travaillé pour retirer ça de leur lignée. Les blancs ont travaillé. Il y en a qui font beaucoup de travail. Un blanc, ça ne va pas, il va chez le thérapeute. Il s'assoit, il parle. Il dépense l'argent, il s'assoit, il parle. Quelqu'un écoute, il écrit, il écoute. Après, il dit, la science est terminée. Quelqu'un va venir, va regarder. C'est toutes les pensées qu'il y a dans ton esprit là. Coucou, mon ex est ton ennemi de la tendresse. Ouais, l'ex est ton dédié. On t'aime. Ah, regarde comment tu as placé ça. Toi, c'est que mon ex est ton ennemi de la tendresse. Oh là là. Et beaucoup d'entre les Noirs sont très cachotiers. On ne dit pas nos choses aux gens. Parce qu'on a aussi beaucoup de revers. Tu t'es confié peut-être quand la personne a abusé de toi. Tu te confies, la personne part, il est jaloux, il veut peut-être... Voilà, tu commences ta relation, la fille veut piquer ton gars. Parce que tu es parti lui dire, tu racontais tout de votre relation. Elle vient, elle veut te piquer ton gars. Donc, je pense qu'il y a aussi ça qui a fait que
Il y a les jalousies, l'effet des crabes dans le seau, là. Les crabes dans le seau. Les gens qui veulent se crêper le chignon entre eux. Peut-être tu as un projet de voyage. Reine, arrête ça. Arrête. Donc, vous en avez peut-être, tu es en train de faire tes papiers. Tu dis à ta personne, voilà, je vais faire mes papiers, j'ai mon gars qui est venu de l'Europe, il vient pour m'épouser. Comme tu es en train de dire à la personne, c'est comme ça que la personne est en train de partir, te descendre. Ce qui fait que tu as, et parfois ça aide beaucoup de s'écouter. Donc parfois c'est quand tu es en train de raconter ton histoire à quelqu'un. Quand tu t'écoutes, tu dis, ah, c'est une vidéo. Genre, c'est moi qui pensais même ça. Mais ça c'est une pensée qui n'est pas, c'est pas intéressant comme pensée. Et tu laisses tout seul. Supposons que c'était resté dans ta tête, tu n'avais pas dit. Et vous savez que vous êtes dans certaines relations. Bonjour Pierre. Vous êtes dans certaines relations avec certains hommes. Ces hommes-là ne parlent pas. L'homme ne parle pas. Vraiment, vous ne communiquez pas. C'est pour ça qu'après on se retrouve avec le je t'aime, mais je t'aime bien, mais je dois partir. Je t'aime. Parce que vous ne parlez pas. Peut-être qu'il te disait ce qu'il ressent. Je t'aime, mais j'ai peur peut-être de ne pas être à la hauteur. Je t'aime, mais j'ai peur de ma mère. Je t'aime, mais j'ai peur de peut-être je t'ai perdu assez de temps. Je ne veux plus perdre ton temps. Mais non, je t'aime, mais tu es une fille bien, mais bye. Parce qu'il y a un manque de communication. Bonjour, Simé. J'ai bien dormi, merci. Ok, Zingy, tu aimes les câlins, tu transmets ta commune. Bon, il y a aussi ceux qui sont câlins, mais c'est une barrière. C'est pour se protéger. Vous avez déjà rencontré des personnes qui sont extrêmement, you know, touchy. Touchy, you know. Ils sont tout en train de te toucher. Oh, oh, laisse ça, oh, viens, oh. Certains, c'est même pour... C'est une sorte de flatterie. C'est un système... de flatterie. Oui, Ange, c'est comme ça que vous allez voir des personnes qui vont vous quitter sans explication. Parce que les personnes ne parlaient pas. Et ça finit par construire un système de pensée dans la tête. Que vous n'arrivez pas. Parce que quand il y a un petit truc, tu parles. Il y a un petit truc, tu parles. Il y a un petit truc, tu parles. Et il y en a aussi qui n'aiment pas pardonner. Il y en a qui n'aiment pas pardonner. Ah, si je parle de ça, ça veut dire que je vais lui pardonner. Non. Il doit payer. Il doit payer. Il doit payer pendant 5 ans. Oui. Il doit lui en vouloir pour la chose aussi pendant 5 ans. Ce qui fait que quand il demande, c'est quoi chérie? On est good? Est-ce qu'on ça va? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Je te dis que ça va, non, ça va. Alors que tu sais dans ton cœur qu'il y a encore quelque chose. Tu gardes la chose. Demain, une autre chose se passe encore. Et quand la deuxième chose se passe, tu te rappelles de la première chose. Ah, il avait fait ça hier. Ouais, c'est comme ça qu'il fait toujours. Et quand tu te rappelles de la première chose que la personne avait fait, tu te rappelles aussi de ce que ton ex t'avait fait, de ce que ton père t'avait fait, de ce que ta grand-mère avait fait. Oui, c'est comme ça qu'ils font toujours. Tu accumules. Bonjour Aston. Franck, tu as un témoignage. Après le bain de sel, on se oint. Oui.
Souvent, tu avoues une fille que tu l'aimes. Elle trouve plutôt que tu manques. Je vais t'avouer que moi-même, j'étais comme ça. Non, Dingue Michel, tu as dit quelque chose qui était. Elle te le dit. Oh my God. Oh my God. Tu sais, l'autre là, ça c'est très très vrai. Yes, Frank, share your testimony so I can read it out. Parfois je dis, et tu sais, quand tu as grandi et ton père était quelqu'un de très dur qui ne disait pas ce qu'il ressent, je ne justifie pas les femmes. Hein. Tu grandis, tu as ton père toujours là, il cache ses sentiments, il cache. Tu rencontres un homme, il tout le temps te dit je t'aime chérie, je t'aime. Toi dans ton cœur, je suis celui qui ment. Et les gens qui ont de la peine à accepter l'amour, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ne croient pas qu'ils sont dits d'être aimés. Things have turned around. Thank God for my life. Frank dit qu'il y a eu un retournement de situation dans sa vie. Il se lave avec le sel. That's beautiful. Donc c'est parce que la femme ou bien l'homme qui refuse l'amour, tu ne crois pas que tu mérites qu'on t'aime. Tu ne crois pas. Ah, donc tu m'aimes. Tu... Non. Tu ne penses pas que un homme ou une femme, dans tes imperfections, toi comme tu es là, non? Comme tu es avec un peu ton ventre, un peu les bourrelets là, il y a un petit coin sur ton ventre, c'est comme ça, c'est gros. Oui. Tu ne penses pas que quelqu'un peut t'aimer comme tu es là. Merci, Sariette. Tu te connais comme quand vous connaissez les trucs les plus pires sur vous. Vous connaissez. Et là, un homme te rencontre. Tu touches son cœur. C'est vraiment. Tu es le rayon de soleil que Dieu lui a envoyé. Mais comme toi, tu ne penses pas que tu peux être un rayon de soleil. Tu trouves que tu es laide. Regarde d'abord mon nez. Regardez mes sourcils. Regarde mon oreille. Regardez, j'ai les petits seins. Est-ce que quelqu'un peut m'aimer comme ça? Merci, Candice. L'homme arrive, il a de la peine. Il te fait des cadeaux. Il te dit aménageons ensemble. Tu es là, tu vis avec lui. Tu attends le jour où il y aura un problème. On rencontre la chaîne générationnelle au moment de conception. Genre, ta grand-mère avait un enfant, ta part a eu un enfant. Toi-même, tu grandis et tu as un enfant. Oui. Là, c'est vrai. Il y en a même. Oui, l'ensemble peut donner les céphalées. Ouais. Il y en a même. Un autre schéma peut être le suivant. Vous accouchez dans la famille, vous faites encore longtemps avant de concevoir. Toi, ta mère t'a eu, entre toi et tes petits frères, il y a 14 ans d'écart. Toi, ton premier fils a 10 ans, tu n'as pas encore accouché depuis. Tu es en train de répéter un schéma. Et il y a aussi même parfois, peu de personnes font qu'un enfant, comme tu as dit. Parfois, ils font un enfant, ils font le deuxième. Donc, je ne sais pas, il y a des... Regardez juste les choses qu'il y a chez votre grand-mère, votre mère et chez vous. Ou bien grand-père, père et vous. Bonjour TikTok.
Bonjour Facebook. Mes ongles te retiennent au pays. Voilà mes ongles. Ça, c'est une couleur que j'ai jamais mis sur moi. Absolument jamais. Quand tu... Le fait déjà d'identifier ton schéma, c'est déjà un pas pour sortir de là. Vous me suivez? Le fait que tu puisses rester comme ça, tu dis, mon père ne communiquait pas avec ma mère. Et aussi un autre schéma, par exemple. Ton grand-père s'est séparé de ta grand-mère, il avait plus d'argent que ta grand-mère. Je dis que pardon, ne me trompe pas. Hein. Bonjour, Dinanji. Dinanji. Donc, l'un autre schéma qu'il peut avoir, c'est que ta grand-mère s'est séparée de ton grand-père, elle a fini dans la pauvreté. Ta mère s'est séparée de ton père, elle a fini dans la pauvreté. Toi, tu t'es séparé du père de tes enfants. Tu es dans une galère depuis quelques années là que tu ne comprends pas. Merci Hortense. Tu as vu un schéma que tu dois briser. Et on ne brise pas les schémas en disant « Ah, je te brise! Ah, je te brise !» C'est quand tu connais ça. Les schémas se brisent premièrement en identifiant le schéma. Première chose, tu l'identifies. Et pour être en mesure d'identifier le schéma, il faut même déjà avoir fait beaucoup de travail sur soi, l'amour de soi. Et aussi les livres de Louise Hay. Louise Hay. Louise, c'est une dame. Elle a souffert beaucoup dans son enfance. Elle avait beaucoup de raisons de détester son père. Elle avait été abusée dans l'enfance. Et elle a grandi pour être l'une des plus grandes poètes sur les guérisons de soi. Et elle faisait des ateliers où les gens venaient, ils s'asseyaient et puis parlaient, ils étaient guéris. Merci Yann. Donc la première, tout d'abord, première étape, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui seront dans le déni. Genre, moi je n'ai pas de problème, moi je n'ai pas, je ne sais pas de quoi tu parles, moi je, I'm good, I'm okay, you know. Ta mère avait des problèmes de conception, toi tu as des problèmes de conception, ta grand-mère a eu des problèmes de conception. Il y a certaines choses qui vous arrivent, c'est bien quand vous posez des questions à vos mères. Nyanga, on a dit que tu veux détruire la famille. Hein. Super, Sidi B. Le bain de sel t'a aidé pour sa tête. Bonjour, Mirage. Merci. Voilà, ça peut aussi être ça, une famille où chacun pour soi. Tu vas avoir des frères et sœurs, vous êtes le même père, même mère. Mais là, vous êtes grand aujourd'hui, chacun est de son côté. Parfois, peut-être, tu vas avoir un homme qui a plusieurs enfants avec plusieurs femmes. Ça, c'est aussi un autre schéma. Bon, ce qui maintient les gens dans ce schéma, c'est le déni. Ils refusent. Tu peux pas aller dire à ton père que papa, regarde, voilà le schéma. Ton père va dire, hey, qui t'avait ça? Tu connais quoi? Vous savez, non? Vous connaissez, on connaît nos pères, non? Papa, c'est ça, tout. Papa, j'ai commencé ce travail sur moi où je veux. Le père va te dire pardon. Il t'avait des tout des blancs, là. Maintenant, sachez que quand vous vous libérez, c'est pour guérir vous-même et donner une meilleure chance à vos enfants. Et beaucoup de vos blocages financiers sont d'abord dus à vos schémas familiaux. Parfois, je veux avoir l'argent. Ton problème n'est pas au niveau de l'argent. Quand tu vas régler ton affaire d'amour, parfois même tu vas arranger ta relation avec ton père. Parce que le père représente la prospérité, l'abondance. Tu es là, tu dis si, oh, il m'a fait ça, moi je ne peux pas lui pardonner. Je ne peux pas lui pardonner. Donc, Sony, tu dis que le sel est de ton fils. Merci, Barold. Le sel est de ton fils, tu vas faire ça encore ce soir. Ok, pas de souci. Lave-le au sel encore.
Tout ce que vous découvrez spirituellement, c'est d'abord pour votre propre guérison. N'essayez pas d'aller convertir votre soeur. Tu peux expliquer à ta soeur que voilà ce qu'il y a dans notre famille. Non. Parce que tant que tu ne sors pas de là et que peut-être tu te maries ou bien tu deviens riche ou bien tu accouches, dans la famille on a tous deux enfants, tu as peut-être quatre enfants. Là tu vas comprendre que tu as brisé ce schéma. Tant que toi tu ne prouves pas, n'essaie pas de convertir les autres. Sinon tu vas te fatiguer. Maintenant, certains d'entre vous, quand c'est comme ça, la raison pour laquelle chez nous les Bamilékés, on va sur les tombes des ancêtres. Et les Blancs le font aussi, vous le savez. Vous voyez dans les films, non? Parce que le Blanc aussi a compris que quand je passe sur la tombe de ma personne qui est partie, voilà, tu es né quand pour me parler des choses générationnelles, c'est ça? Donc, tu dois, je ne sais pas là où tes parents sont. Je vous parle beaucoup de libation. Il y a des petits rites que tu peux faire pour briser la chose. Majoritairement, s'ils sont vivants, je ne sais pas les appeler pour dire, je me suis rendu compte que tu m'as permis parce que ton père ne t'avait pas aimé. Tu n'en fais pas là ton père. Ton père a été giflé. Oui, papa, je sais que tu ne m'as pas aimé parce que toi aussi, ton père ne t'avait pas aimé. Ouais, j'ai fait. Non, 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 ne montre pas ton père que tu es intelligente parce que ton père connaît quand même plus que toi. Même s'il n'a pas eu l'argent comme toi, il connaît quand même plus que toi. Ouais, maman, j'ai compris en fait. Je te comprends, maman. Je sais que tu ne peux pas m'aimer parce que ta mère ne t'a pas aimé. Oh, ta mère va te gifler. Ta mère va te gifler. Elle va me faire un mois sans te parler. Et vous connaissez des parents africains, non? Ils sont... Même moi, je suis comme ça. Hein? Et... Tu viens me parler. Imagine un peu ma fille de 12 ans qui me dit, ouais, maman, ouais, je sais que... À l'intérieur de moi, je vais savoir que ce qu'elle dit, c'est vrai. Mais moi, elle ne veut pas vouloir accepter. Et c'est toi qui me dis. Vous voyez un peu. Donc... Faites beaucoup attention. Bon, si ces personnes ne sont pas vivantes, vous allez partir sur leur tombe, ou bien vous envoyez au village, vous envoyez quelqu'un aller sur leur tombe, faire peut-être, on va peut-être... généralement, on nettoie la tombe. Hein. Parfois, il y a des herbes qui ont un peu poussé, on enlève les herbes, on dit voilà, on est venu vous voir au nom de peut-être Jacqueline qui est aux États-Unis, si Jacqueline n'est pas au pays, bien sûr. Vous parlez. Dans certains villages, on lance le jujube, on lance la cola. Certains villages, on donne à manger aux gens. Le jour où on est en train de nettoyer, là, les gens du village viennent. On leur donne à manger. Non, si toi tu es à distance, tu peux demander qu'on nettoie au pays. Et là où tu es, dans le pays où tu es là, tu donnes à manger aux gens. Tu fais une petite fête. Tu vois, non? Et tu précises bien que tu fais ça en l'honneur de ta grand-mère ou de ta mère. Et tu lui demandes de t'ouvrir le chemin. Oui. D'autres personnes, si vous pouvez, vous partez au village carrément. Vous faites. Généralement, dans vos villages, il y a les cours d'eau. Bon, il y en a que papa et maman sont séparés, donc ta mère est détestée dans ton village. Dans le village, toi, elle ne peut pas passer. Toi-même, tu ne peux pas passer là-bas. Quand c'est comme ça, tu vas juste faire. Tu peux faire ta libation à distance. Certains parmi vous, vous n'avez pas accès à votre village. Donc, vous faites votre libation à distance. Tu prends peut-être une boisson, tu verses au sol, tu parles. Tu dis que je fais ceci au nom de mes ancêtres. Tu prononces leur nom si tu connais. Si tu ne connais pas, tu dis que je ne connais pas vos noms, mais je fais ça à votre nom. En fait, je veux en fait que vous compreniez que vous n'avez pas forcément besoin d'aller à l'endroit là ou bien de partir sur la tombe de la personne là. Quand tu fais, tu dois dire au nom de tous les ancêtres. Il y a même d'autres que tu ne connais pas. Ce qui est sûr, c'est que tu ne connais pas la septième génération qui était avant toi. Généralement, on connaît peut-être trois générations maxi. 4, 5, 6, tu ne connais pas. Tu ne connais pas la grand-mère, ton arrière-grand-mère. Tu ne connais pas son nom. Même si tu demandes à la famille, on va te dire qu'on ne connaît pas. Parce que ce sont les détails qui sont très, très vite perdus. Mais ça ne veut pas dire que cette grand-mère-là n'est pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas avec toi. Donc, quand tu dis, tu parles, tu dis voilà, je fais ceci au nom de grand-mère, de tous mes ancêtres que je ne connais même pas.
Je sais que vous êtes derrière moi, vous marchez avec moi. Je me libère. S'il y a des choses qui vous ont bloqué, qui m'ont été passées, je m'en libère. Et je demande que vous m'aidiez aussi. Et de savoir sincèrement mettre sa situation aussi. Seigneur, aide-moi à briser ce truc qu'il y a en moi qui fait que je rejette toujours les hommes quand ils viennent et ils m'aiment. Présente la chose même toi-même, ouvre ta bouche, tu dis. Parce que parmi vous, parfois, voilà, je n'aime pas, je rejette beaucoup, je n'aime pas les câlins, je n'aime pas l'amour des gens. Seigneur, aide-moi à accepter l'amour des gens. Aide-moi à accepter qu'un homme peut m'aimer. Ça, c'est un travail intérieur très, très intense. Et normalement, si tu fais ça, tu vas te sentir très vulnérable. Et c'est nécessaire. Ça te guérit et ça guérit les enfants qui sont dans ton ventre. Parce que quand une fille naît, quand tu es dans le ventre de ta mère, tu as déjà des enfants. Tes enfants sont déjà dans ton ventre. Donc, ta mère et tes enfants sont liés. Parce que quand ta mère te portait dans son ventre, tu avais déjà les œufs de tes enfants dans ton ventre. C'est vrai que c'est freaky, c'est fou, mais c'est ça. Ce qui fait que vous avez déjà une de trois générations qui sont déjà liées physiquement. Voilà. Un jour dans ma famille, on a dressé, on a un forum familial. On est tous reliés par notre arrière-grand-mère. Et un jour, ils ont dressé l'arbre généalogique. Ils ont partagé dans le groupe. Dans le groupe, j'ai pu voir les parents de mon arrière-grand-mère. Et c'était fou, ça me faisait bizarre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, qu'elle n'est pas tombée du ciel. Elle est bien née d'un homme et d'une femme. Et c'est là que j'ai compris les circonstances de la naissance de ma grand-mère, qui était assez flou. Et c'est là que j'ai compris comment ma grand-mère a accouché ma mère. Comment est-ce que ma grand-mère s'est mariée avec mon grand-père? Parce que quand je suis née, ma grand-mère et mon grand-père étaient séparés. Ils ne vivaient plus ensemble. Et elle a vécu au moins les 30 dernières années de sa vie seule. De temps en temps, il venait, il mangeait, il partait. Je ne sais pas comment les mères d'avant la géraient ça. Bonjour le roi Simplice. Tu es au pays. Je ne sais pas comment vous gérez ça, les mères. Il arrête de te toucher à 30 ans. Tu es avec lui jusqu'à 70 ans, 80 ans, tu meurs. Et vous gérez ça comment, les mères? Moi, bah, expliquez-moi l'autre là. Kenzo Zaza. Merci. Tu veux quoi? Tu veux jouer? Je ne veux pas jouer. Je suis occupée. Boubou, je suis occupée. Va là-bas, tu joues d'abord. Non. 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 Oh, oh. Tu ne peux pas sauter sur moi. Et qui est? Regardez, regardez. Regarde le jeu. Le jeu. Le jeu. Laisse-moi tranquille, pardon. Je suis occupée. Aïe. Tu veux jouer? Va là-bas, joue. Va là-bas. Reine, laisse-moi tranquille. Non. Sur quelle lignée se focaliser? Focalisez-vous là où votre énergie va vous emmener en premier lieu. Ok, le roi Saint-Pierre, tu voyages le mois prochain. C'est comme si j'ai rêvé de toi cette nuit. Hein? Sérieux? Attends. Je suis sûr que tu es dans un de mes rêves cette nuit. C'est fou quand même que tu m'écrives aujourd'hui. Je n'ai plus ton numéro, je crois que je t'avais dit ça. Donc écris-moi sur le 693 50 22 66. Oh, arrête de me lécher les pieds. Ah, tu as rêvé de moi, Kenzo Zaza. Ok, je te me focalise sur ce que je vous disais. Quand tu commences ton travail, tu dois te focaliser sur l'endroit où ton énergie part en premier. Là, quand je vous parle, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Commencez par ce côté-là d'abord. Parce que même le processus de guérison a les saisons. Bonjour Nadie.
00237 693 50 22 66. Ne lavez pas le nouveau-né au pipi, non. Pour le nouveau-né, il n'a même pas besoin de sel, hein, pour l'instant. Lavez l'eau de colonne, déjà, ça le fait. Mettez un peu d'eau de colonne dans son eau en le lavant. Bonjour, bonjour, bonjour. Oui, les personnes dont vous portez le nom aussi, ça a de l'influence. Les personnes dont vous êtes successeur et les personnes dont vous portez le nom. Supposons que tu es successeur de ton arrière-grand-mère. Son esprit aura tendance à te visiter, même si tu ne sais pas, même si tu n'en es pas conscient. Son esprit aura tendance à te visiter. Tu es le successeur de ton grand-père. Donc, tu es plus apte à te connecter à lui. C'est un petit, tu veux mettre ton numéro devant les gens qui sont là. 674 15 08 45. Je n'ai pas de quoi noter. Parce que j'ai perdu mes contacts. Ce qui fait que je n'ai plus. J'ai au moins 45% de mes contacts que je n'ai plus. Ange lumière, tu dis que je suis belle aujourd'hui. Je suis toujours belle. Ça, ce n'est que la coquille extérieure. Ça, c'est seulement la coquille. This is just the shell. Quand vous commencez ce travail spirituel, vous devez être... Beaucoup aussi d'entre vous devez demander pardon. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup, vous devez aussi aller vers les gens de votre famille. Parce que quand c'est comme ça, souvent, on est un peu divisé. C'est chacun de son côté. C'est vrai qu'il y a des personnes dans votre famille qui ne changeront pas. Vous montez, vous descendez. Ils ne changeront pas. Ce qui fait que ces personnes, il y a des personnes dans ma famille avec qui je ne parle pas. Et je ne m'en excuse pas, parce que je connais. C'est des personnes qu'à chaque fois que tu veux parler avec elles, elles veulent te descendre. Elles sont toujours en train de vouloir te dire des... Parfois c'est des cousines, parfois c'est des cousins. Il y a même certains frères. Genre, on est au téléphone, on n'a rien à se dire, like. You know, on n'a rien à se dire. Donc dans la famille, j'ai aussi remarqué qu'il y a des personnes avec lesquelles le sang colle. Il y en a avec lesquels le sang ne colle pas. Parfois avec ta soeur, ça peut parler, mais tu as une cousine là que c'est comme si vous étiez soeur d'esprit. Donc il y a toutes ces choses qu'il faut accepter. Moi j'ai des gens dans ma famille, j'ai des frères de même père, là, même sang de sang. On ne se parle pas. Mm-hmm. Parce que là, je n'arrive pas à gérer l'hypocrisie de ça. Je n'arrive pas à gérer la concurrence et la jalousie de ça. Je n'arrive pas à gérer le... Et je vous dis souvent, quand je vous fais des enseignements sur les choisis, je vous dis quand ces personnes savent que vous êtes choisis. Ces personnes savent que tôt ou tard, vous serez riche. Je vous le dis, ça peut être ton frère, consanguin, ta soeur. Et ces personnes savent, parfois ton père même ne montrait pas des signes d'affection physique. Parce qu'ils savaient que s'ils montrent ça devant eux, bonjour le roi Silver, ça va mettre de la jalousie. Ça va accentuer. Oui. Du coup, ton père, c'est chaud que ton père cachait. Quand il te voit, il est un peu dur avec toi. Et toi, ça te faisait mal. Tu dis, mais pourquoi, papa, pourquoi tu te comportes comme ça avec moi? Et tu as l'impression qu'il donnait tout aux autres.
Je peux vous en parler clairement parce que ça a été mon cas. Et ça fait seulement 2 ans que j'ai fait la paix avec ça totalement. Et j'ai compris que mon père me protégeait en fait. Il me protégeait. Parce qu'il y a des gens qui connaissent votre lumière. Parfois, un père connaît ses enfants. Un père, quand il vous regarde, il connaît. Que si je meurs demain, l'autre aussi, c'est celui qui va vouloir gâter tous ses frères. Il va vouloir même les mettre en prison. Que elle, là, c'est elle que si elle est la mère successeur, elle va aider tous les autres de la famille. Et elle, si elle est la mère successeur, si elle parle de ça de mon vivant, c'est que les autres vont vouloir même la tuer. Je suis premier-né à mon père et à ma mère. Je crois que le destin m'a donné des petits frères que parfois j'ai envie de les fesser. J'ai envie de prendre les fesses, je tape un peu bien là. Certains m'écoutent. Je dis, mais vous foutez pas dans l'enfance. Parce qu'il y a une grande... Et parfois quand tu regardes, tu te dis, mais chacun a sa chance. Si tu m'empêches d'avoir ma chance, est-ce que toi tu vas prendre ma part? Non. Si tu fais que je ne voyage pas, tu vas utiliser mon passeport pour voyager. Tu vas utiliser mon passeport. Non. Pourquoi donc? Why? 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 Donc, je me suis résolue. Et j'ai compris aussi qu'il y a certaines de ces personnes-là, ils sont un peu comme Caïn. Caïn, vous voyez Caïn et Abel, non? Vous avez des frères qui sont comme Caïn, ils ne peuvent jamais changer. Monte, tu descends. Oh, tu es quand même ma soeur, non? Tu fais tout, tu viens même pour réconcilier, pour essayer. Sans même essayer de venir prendre ton mari. Sans essayer de venir prendre ton mari. Ah. Le cœur de l'homme est... C'est seulement parce que dans notre truc, c'est qu'on fait là, on doit seulement pardonner. On doit pardonner. Il y en a parmi vous, quand je parle comme ça, ça réveille des souvenirs en vous. Vous avez des blessures. Il y en a, on dit que c'est toi le successeur. Ça les éduque. Tu vois comment ta tante se fâche parce qu'on dit que c'est toi le successeur du grand-père. Tata, tu voulais... Bah, mamie, tonton, si tu voulais, plan. On fait même quoi avec la succession? Ça, prenez, allez vous asseoir sur ça. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous, parfois, on se dit, bon, I'm gonna love you from a distance. I'm gonna love you. But from here, you know, I'm gonna love you from here. You stay there. Stay there. Don't touch me. Don't come here. Just stay there. Yes. I'm gonna love you. But from here. Don't come close. Souvent on fait réunion familiale, tu te dis non. Vraiment? On va réunion familiale. Tu viens à la réunion familiale avec ton cœur sur la main. Hypocrite. Je dis, mais vous ne vous appelez pas tous hypocrites alors. Et j'avais espoir qu'on venait faire la réunion pour donner une nouvelle direction au bateau de la famille. Ils sont là. Après, pas te faire le pas de réunion à côté. Vous avez les familles africaines. Après tu dis seulement ok, je passais seulement bye. Je connais, c'est des blessures. Et quand tu ne guéris pas de ça, sans que vous le sachiez, vous allez passer ça à vos enfants, toutes vos douleurs que vous avez. Et comme Kenzoza dit, c'est la mère. Parce que quand tu ne guéris pas de ça,
Ce n'est même pas qu'elle n'aimait pas ça à ses enfants, mais son paradigme qu'elle a laissé dans sa tête commence à influencer. Des fois, peut-être un enfant qui traite mal son grand frère, elle ne dit rien. Voilà, ta grande soeur, vous êtes laissé la maison que votre maman a laissée, de te donner la maison que maman a laissée. C'est comme ça. John, bonjour. Je vous assure, c'est un sujet que je n'aime même pas toucher parce que ça me donne même des nausées carrément. Ça me fait des trucs dans le corps. Parce que je sais que je reviens de très loin avec ça. J'ai beaucoup bossé dessus. Et je vous dis toujours que c'est un travail continu parce que si quelqu'un vient vous dire que ouais, je vais faire un truc et c'est fini ma chérie, tu n'auras plus jamais ça. Non. Je suis convaincue que le plus grand terrain de travail dans notre vie, c'est la famille. Tu fais ton travail, tu fais. Tu te prépares. Le jour où tu revois la personne, là, le cousin, là, le frère, là. Parce que tu l'as tellement béni. Je te bénis, je veux que tu prospères. La dernière fois que vous êtes vu, la personne a même voulu te t'empoisonner. Là, ton frère, ou la personne a voulu gâter ton mariage. La personne est venue à ta dot, il a voulu gâter toute la cérémonie. Donc, sortant de là, il y a 5 ans, tu as eu le goût amer dans la bouche. Tu avais même juré le temps que je ne vais plus jamais parler à cette personne. Kiki Vêtements, là, pour la dîme, le numéro, c'est Orange Money. Si tu as de quoi noter, 698-367-221. Donc, 698-367-221. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Je bénis ces personnes. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas évident. Je vous ai parlé de Louise Hay tout à l'heure, son travail. Quand j'ai commencé à l'écouter en 2016, il y a l'une des phrases clés qu'elle dit toujours, que mon père m'a fait du mal parce qu'il ne connaissait que ça. Donc, on a fait du mal à mon père. Mon père m'a fait du mal. Donc, je répète le numéro pour la dîme, 698-367-221. Ça, c'est Orange Money. Et c'est PayPal, pour PayPal, c'est sur la page. C'est Aurélie Michel 2017@gmail.com. Avant d'envoyer vos dîmes, vous devez prier dessus. Voilà, Seigneur, je veux libérer ma famille. Voilà, toutes les malédictions générationnelles de ma famille, je viens nous en débarrasser par cette dîme que je paye. Personnellement, je fais beaucoup de travail de visualisation. Je vois ces personnes en train d'être pardonnées et heureuses. Donc, je vais peut-être voir supposons ma soeur. Je te bénis, je te libère. Je te bénis, je te libère. Au début, c'est très dur. Parce que tu n'arrives pas à comprendre comment est-ce qu'elle a pu me faire ça. Comment est-ce que je fais ça? Prochaine fois que tu la vois encore, elle n'a pas changé. Toujours aussi hautaine. Vous voyez le genre de petite soeur là ou bien de petit frère qui croit qu'elle est arrivée. Hein? Kiki Vêtements, je demande. Écoutez, c'est pas parce que tu as payé la dîme que tu vas croire qu'elle est courir derrière ton argent. Tu demandes un numéro, on le répète ici plusieurs fois. Tu dis merci de répéter, je ne répète pas. Si vous êtes gentil, écrivez ça pour elle là-bas. Et vous êtes toujours dit que vous ne devez pas être belle et bête. Vous vous dites clair, cash, vous me connaissez moi-même. Je ne blague pas de ça. Tu demandes un numéro, on te répète le numéro deux fois sur cette page-ci. Tu reviens 5 minutes plus tard pour dire que donne encore le numéro. Quelqu'un est même venu ici, elle a écrit. Elle a pris la peine d'écrire. Si vous êtes gentil, vous lui dites, moi, elle ne dit plus. Parfois, vous croyez que c'est parce que vous avez payé vos dîmes que je vais courir derrière vous. Vous ne me connaissez pas. Je ne sais pas quand tu payes ta dîme là, d'abord, c'est pour ton propre bien. La dîme que tu payes là, c'est pour ton bien à toi, c'est pas pour moi. Yam. Et que je me calme, laissez-moi, j'ai mes humains. Ne vous inquiétez même pas, j'ai mes humains. Je sais pas qu'on me fait si on va chier. Ok. Vous devez bénir la personne. Bénissez. J'ai même des clients. Même des clients. J'ai des clients qui comptent. C'est un entre vous qui est fini avec vous, je dois vous bénir.
pour qu'il n'y ait pas de malédiction sur vous. La personne vient, elle fait comme donc tous ces problèmes qu'elle a là, elle vient, elle veut mettre que ça sur toi. Ah, j'ai dit, wonderful. Et j'ai fait très attention à vous, les gens là qui arrivent. Oh, ma mère. Oh. Oh. Oh, ma mère, ma reine, mes chéries. Je ne veux pas les flatteries. Ne me flattez pas. Je me flatte assez déjà. On ne peut pas savoir comment moi je me flatte déjà. Et mon gars me flatte déjà assez aussi. Mon gars me flatte jusqu'à. Il faut me voir quand il fait la tête. Bébé, prends alors ça. Bébé, donc, je n'ai pas besoin de vous flatter. Parce que vous là, vous êtes. Vous là même. Manipulateur. Calculateur. Menteur. Tous les teurs que vous pouvez imaginer là. Hein? J'ai payé ma dîme, tu ne m'as pas. Pardon. Excuse-moi. Tu as bien écrit. Eh ouais. Oui. Yann, tu dis que je suis forte. Souvent, certains d'entre vous, c'est comme si le diable vous a envoyé le jour là. Quand il finit de parler avec la personne, je dis Seigneur, give me the patience to be here. I need to forgive him. Seigneur, je bénis la fille, si Dieu la bénit. Parce que certains d'entre vous, quand vous ne guérissez pas, vous partez même affecter vos relations avec les gens. Et je dis encore, ça affecte votre argent, je vous le dis. Quelqu'un va venir. Tu me regardes pourquoi? En train de me fixer là. Elle va se plaindre de sa mère, son ex, c'est son travail, ses soeurs. Tu écoutes. Après, je dis que comme je lui donne l'argent, il faut qu'elle m'écoute. Hein? Comme je lui donne l'argent, il faut qu'elle m'écoute. Comme je lui donne l'argent, il faut qu'elle m'écoute. D'accord. Ok, j'attends. Comme je lui donne l'argent, il faut qu'elle m'écoute. J'attends. Un jour que tes oreilles ne veulent plus écouter la personne. Oh, Jesus. Le manque de respect. Faites très attention à ceux. C'est pour ça que je vous dis, pour vos parents, voilà les bénédictions qui sont importantes pour vous. Papa, maman, père et mère spirituels. Ou je dirais même homme de Dieu ou femme de Dieu. Vous vous amusez pas avec les gens-là. Les flatteurs, ticones, merci. Merci beaucoup. Si quelqu'un un jour a ouvert sa bouche, il t'a béni. Tu as dit Amen. Ne te mets pas demain que tu peux parler contre la personne là. Parce que quand tu as accepté sa bénédiction, tu as donné un pouvoir à cette personne sur toi. Donc demain, quand ça va vous prendre, moi, il vous dit tout ça, cache ma page. Je ne suis pas votre Dieu, on n'est pas nés ensemble. Tu es né, tu as grandi, tu m'as rencontré en quelque chose. Clique seulement quelque part ici là, que clique, tu te désabonnes seul. Parce qu'on s'est rencontrés, on peut se séparer un jour. Et déjà, c'est que sur Facebook, si un jour, si demain là, tu décides d'enlever ton compte Facebook, tu ne vas plus me trouver quelque part. Parce que j'en ai qui ont déjà, on a peut-être commencé à parler. Après, la personne se tourne, commence à m'insulter. J'ai dit, mais attends un peu. Donc, toujours parce que Facebook nous a mélangés. Donc, comme Facebook nous a mélangés là, parce que je t'écoute. Tu crois directement que... Oh, aïe. Donc, faites très attention. Faites très attention. Les parents qui te bénissent et qui te maudissent en même temps, tu as la possibilité d'annuler aussi ces malédictions. Parce que Dieu connaît aussi ton cœur. Ton père peut te maudire que c'est toi qui as cherché. J'ai dit encore, ton père peut te maudire que c'est toi qui as cherché. Peut-être tu restes, tu ne t'occupes jamais de ton père, tu manques de respect à ton père, je ne sais pas trop. C'est très rare de voir un parent qui va avoir une bonne action, il va venir. Et même s'il te maudissait avant, quand tu vas commencer ton travail spirituel, il va prendre l'amour, Dieu va passer par
Je vais vous raconter mon histoire avec mon père. Parce que moi, j'aime. Quand il dit mes choses, j'ai eu une relation très tendue avec mon père pendant des années. Parce que j'ai accouché très tôt. Il n'a pas digéré le fait que j'ai laissé l'école tôt. Il s'est vraiment battu pour que. Son rêve, c'était que je parte en Europe et que je réussisse là-bas, que je reste là-bas. À un certain moment de ma vie en Europe, je suis arrivée, je suis tombée amoureuse. Je pensais que je maîtrisais la vie. Donc, j'ai décidé de faire un enfant. Mon premier enfant n'est pas venu par hasard. J'ai décidé de faire l'enfant. Quand il décide de faire l'enfant, mon père apprend, ça l'énerve énormément. Et là, il me dit, comme tu as décidé, c'est ta décision, non? D'accord. Moi, là, oublie. Après, on se parlait de temps en temps, mais ce n'était plus ça. Ce n'était plus ça. Ce qui fait que pendant toutes ces années, les blessures là remontaient. Et quand je regardais, quand j'ai analysé la mère de ma mère, j'ai vu que ce sont les choses qui se répétaient. J'ai commencé à dire, il faut absolument que j'inverse les choses. Moi-même, je suis repartie vers lui. Il n'a rien changé, parce que mon père, c'est quelqu'un qui est catégorique. Vous connaissez les pères, non? Vous connaissez les pères rococo là-bas. On les appelle encore comment? Les rococo, notre papa rococo d'avant, là, très dur. Quand il te dit que toi, c'est fini, il va faire 15 ans. Même si tu es son enfant préféré, il t'aime n'importe comment. Tu viens, tu parles comme ça. Tu laisses le vin, après quand tu parles, il faut qu'il boit. Et quand tu viens comme ça. J'ai un peu comme ça que mon père est. Le père m'a mis les clés. Donc, à chaque fois, j'accusais toujours mon père. Je disais, tu vois là, c'est de ta faute. Tu ne m'as jamais aimé. Ça, c'est chaud qu'il disait à mon père. Pas vous mentir, je disais tout ça. Et quand je reste maintenant, moi avec mes enfants que j'ai maintenant, je me dis, je vois certaines choses que je fais à mes enfants. Je suis en train de répéter certains schémas. Oh my God, bonjour Monsieur Soleil. Oh merci. Oh, thank you. Je vous ai dit que le soleil m'aime. Regardez comment il vient m'illuminer. Oui, comment ma peau a changé. Oh, thank you. Thank you so much, God. Il faut être dans la gratitude. La gratitude est tellement bien. Tu vois, quand je parle, il brille encore plus. Je parle, il brille encore plus. Merci. Je te bénis, soleil. Lisette Chatier, je fais les directs tous les jours. Donc, si tu étais manqué, c'est que c'est toi qui es parti. On était en une relation dans les deux sens. Donc, quand j'ai commencé à guérir, parce que quand j'étais en sa présence, sans le vouloir, ça sortait de ma bouche. Oh my God. Oh, c'est comme ça, on parle. Après, il dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? J'étais toujours en train de me plaindre. Je suis allée travailler sur moi. Bonjour, depuis le Gabon, là, bonjour. Voilà, Gonaël, tu le dis aussi. Quand j'ai commencé à guérir, maintenant j'allais vers mon père, je ne lui demandais rien, je ne me plaignais pas. Je reste en ça et dire, ok, je veux passer du temps. Est-ce que tu as une heure de libre? Oui. Tac, je pars dans son bureau, je lui fais un bon repas. Il aime quand je cuisine, je ne sais pas pourquoi. Il a des repas clés qu'il aime. Il ne peut pas, c'est pas avec. Je rappelle que je n'ai pas, dans l'enfance, puisque moi j'ai été conçue au mariage. Il m'a eu, il a accouché un autre enfant et il s'est marié. Donc, dans son mariage, il a décidé de ne pas nous prendre chez lui. Ce qui fait que nous, on a grandi avec grand-père, grand-mère de haut. Je crois que c'est. Il n'y a pas question de dire qu'on n'est pas censé grandir quelque part. On grandit juste là où on grandit. Moi, c'est comme ça que j'ai accepté ma part. J'ai grandi là où le destin a voulu que je grandisse. Et j'ai appris ce que j'ai appris. Parce qu'avant, ça faisait partie de mes haines. Genre, pourquoi? Si tu m'avais vraiment aimé, j'aurais grandi avec toi. Vous connaissez. Si tu m'avais vraiment aimé, tu aurais... voilà, tu m'aurais donné peut-être telle chose. Tu te serais occupé de moi de telle façon. Voilà. Je suis à Libreville pour l'instant. Pour les femmes, ce que je suis en train de vous dire est très important. Parce que ta relation que tu auras avec ton mari... Si tu n'arranges pas la relation que tu as avec ton père, et il y a la relation psychologique que tu as avec ton père, il y a la relation physique. Parce que généralement, quand on arrive devant le père, on nous a. Bonjour, papa. Papa, tu veux quoi? Ok, papa.
Parce que tu es encore la petite fille de 5 ans là. Malgré le fait que tu as 35 ans. Tu es dans un corps de 35 ans, mais dans ton esprit, tu es toujours la petite fille de 5 ans que tu étais avec papa. Mais tu as grandi et il y a les trucs dans ton cœur. Je dis la relation psychologique parce que tu l'as d'abord guéri. Donc si ton père est même déjà mort, oh my God, monsieur le soleil, thank you. J'accepte seulement, donne-moi les bénédictions, j'accepte. C'est comme si le soleil, si aujourd'hui particulièrement, c'est comme si c'est que lui et moi, là, on a quelque chose à dealer ensemble. Lisette, tu m'as vu dans tes rêves. Ok. Tu sais, tu dis que tu peux en boîte avec ton père. C'est super. Il y a des relations qui paraissent bien extérieurement. Mais elles n'ont pas été guéries intérieurement. Vous devez comprendre. Vous avez dit qu'on a la relation physique avec notre père. Et on a la relation psychologique ou émotionnelle avec notre père. Donc, la relation émotionnelle est la plus importante. Peut-être ton père est déjà mort. Peut-être tu n'as pas connu ton père. Peut-être ton père est à une distance où tu ne lui parles presque pas. Donc, je dis ça parce que je veux que tu comprennes que tu as la partie, ton acte à toi. Et je peux dire que toi, tu dois faire 99% du chemin. Donc, en fait, ton père n'a même rien à voir avec ça. Tu dois juste guérir l'image que tu as de ton père. Tu dois guérir l'émotion que tu as vis-à-vis de ton père. Tu dois accepter les choix de ton père. Tu dois accepter les conditions dans lesquelles tu as grandi. Stevie Charlie, je suis en train de parler quelque chose, vous faites que vous pouvez se poser les mêmes questions. Ouais, Seigneur. Si tu n'as pas connu ton père, tu as un dialogue dans ton cœur quand il s'agit de ton père. Tu te dis sûrement, mon père m'a abandonné. Il a su que j'étais là, il est parti. Il y a quelque chose que tu te dis forcément à propos de ton père. C'est ça que tu dois guérir. C'est la phrase là, c'est ça. C'est le dialogue là que tu dois guérir. Peut-être ton père est mort très tôt. Tu avais 3 ans. Et inconsciemment, tu t'es senti toujours abandonné. Voilà, papa, pourquoi tu es parti? Tu m'as laissé. Ma mère est morte très tôt. Pendant des années, j'ai voulu à ma mère d'être partie tôt. Tu pars au moment où j'ai vraiment besoin d'une mère. Comment tu as pu me faire ça? Parfois tu dis pourquoi tu es parti, pourquoi tu m'as laissé. Voilà ton dialogue intérieur qui crée des blessures. Et ces blessures se répercutent. Vous allez voir parfois certains d'entre vous avez de la peine à donner des câlins à vos enfants. Parfois tu ne sais pas pourquoi je te retrouve en train de beaucoup taper ton enfant. Tu es très violent avec ton enfant. Parfois, tu repousses ton enfant. Quand ton enfant vient de se coucher sur toi, tu refuses. Tu vois, l'enfant vient vers toi comme ça, là, tu vois, tu accouches même l'enfant à 6 mois. Tu n'aimes pas particulièrement l'enfant. Donc, si mon père était décédé, j'aurais fait le même travail avec son esprit. Quand ton père peut être vivant, il est quelque part sur la terre. Est-ce que vous savez que vous pouvez communiquer avec l'esprit de quelqu'un, même si la personne est vivante? Tu restes, que la personne soit morte ou vivante, et regardez, il y a un cas de figure. Quand on se couche, on dort. Quand on se couche, on dort tous. Où la différence, un jour, peut-être, regarde un peu de tes enfants quand ils dorment. Où la différence entre quelqu'un qui est mort et quelqu'un qui dort? Les deux ne sont pas conscients. Quand tu dors, tu n'es plus conscient. C'est juste que ton esprit est encore dans ton corps. Et plus tard, il va revenir. Donc quand tu es mort, ce corps ne sera plus jamais réanimé, mais ton esprit est là. Donc tu peux communiquer avec l'esprit de ton père, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort.
Comment fait la télépathie? Là, je vous prends un peu profondément. Ce n'est que ceux qui sont un peu spirituellement avancés qui vont me comprendre. Le reste là qui sont encore un peu genre, eh, pourquoi ça? Non. Tu avais dit ça, tu as dit maintenant comment c'est possible? Tu restes, tu communiques avec l'esprit de ton père. Et quand tu fais ça, tu dois avoir confiance que ce que je suis en train de faire, c'est en train de marcher. C'est pour ça que je vous dis, l'exercice de pardon est très important. Je te bénis, je te relâche, je te bénis. Parce que sans que vous le sachiez, la relation qu'on a avec chaque personne sur cette terre se passe dans un niveau cosmique, invisible. Donc je vais prendre les cinq doigts de la main ici. Lila, tu vas avoir mon inbox. Tu es dans quel pays, Lila? Je vais te donner un numéro international. Le Cameroun. 00-237-680-71-07-01. Bonjour Robin. 00-237-680-71-07-01. Prends ce numéro, tu écris. Écris à ce numéro. Donc voilà, vous voilà. Te voici. Voilà tes émotions. Voici les membres de ta famille. Sur un niveau énergétique, ta mère est déjà morte, ton père est encore vivant. Ta soeur est encore vivante. Ta grand-mère est morte. Donc je vais utiliser toutes ces personnes. Qu'elles soient mortes ou vivantes, tu as une relation avec ces personnes au niveau de tes pensées. Si j'évoque le nom de ton père, pap, ton père, voilà ta relation avec ton père. Vous êtes entre vous, la relation c'est il est déjà mort. Vous êtes entre vous, c'est il est aux États-Unis, moi je suis en Afrique. Ou bien je suis en Afrique, ou bien je suis aux États-Unis, il est en Afrique. On ne se parle pas trop. Il y a un dialogue que tu te fais par rapport à ton père. Je mets dans ta relation avec ta mère. Oh, celle-là, elle ne m'a jamais aimé. Ou bien, oh, ma mère, elle m'aime tellement, elle ferait tout pour moi. Ou bien, oh, ma mère, elle est déjà morte. Il y a un dialogue, une relation que tu as avec elle. La mort ne coupe pas la relation. Vous avez suivi? La mort ne coupe pas la relation. Relation avec tes futurs enfants. Futurs enfants. Voilà. Je vais les appeler Jacqueline, je vais les appeler, je sais pas trop. Futurs enfants. Relation peut-être avec le père de tes enfants. Donc on a des câbles comme ça, on a des centaines dans notre esprit. On a des centaines de câbles énergétiques avec ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants. Maintenant, tu peux changer la conception de ce câble. La nature de ce câble. Peut-être que c'est un câble d'incompréhension depuis. Tu commences à intensément bénir ton père. Je ne vais pas vous mentir. Aujourd'hui, l'autre jour par exemple, je suis allée donner à manger à mon père. Et il est plus libre les week-ends. Donc j'arrive, le chauffeur m'attend. Je sors, je pense à nous, j'arrive. Et personnellement, inconsciemment, j'ai toujours eu de la peine à accepter, puisque mon père m'avait caché. Il y a des amis de mon père qui ne connaissaient pas que j'existe, parce qu'ils l'ont connu avec sa femme, donc ils connaissaient les enfants de son mariage. Ce qui fait que dans mes relations, j'avais de la peine. Là, je suis en train de vous ouvrir une partie de moi qui est, quand je fais mon travail sur moi et que Dieu m'expose des parties de moi, je peux comprendre pourquoi je réagissais comme ça. Ce qui fait que dans mes relations, j'avais souvent... voilà. Vous allez voir que certains d'entre vous, vous allez parfois vous retrouver comme les maîtresses. Parce que tu as toujours été caché quand tu étais petit. Et quand bien même, même quand tu te retrouves dans une relation où tu es la première femme, tu es la femme légale, tu es là, tu as toujours de la peine. Tu veux toujours rester derrière. Tu ne veux pas qu'on te voie. Ça vient d'où? Parce que papa t'avait caché. C'est même pas qu'il t'avait caché, mais c'est juste que les circonstances ont fait. Maintenant, donc j'arrive l'autre jour, et là, il y avait au moins 30 messieurs
ses amis. Et c'est lui le président de... Je ne vais pas donner trop de détails. Et j'arrive, je lui donne le truc, je lui fais un bisou. Avec mon père, moi aussi, un truc avec mon père qu'on a toujours eu. Question câlin. Malgré... C'est pour ça que je lui ai dit que le physique peut être bien. Question câlin. Si tu m'envoies mon père, tu vas m'être jalouse. Si tu es sa femme, tu vas dire, ah, vous êtes comme ça, quittez avec ça, vous êtes amoureux, quittez. Quand il me voit, on est toujours là, bisous, oh, je t'aime. Donc j'arrive, il dit, viens, 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 mon bébé, viens. Et je vous présente ma première fille. Et quand je suis sortie de la pièce, je me suis rendu compte que voilà une barrière émotionnelle qui a été brisée. Parce que de toute mon existence, j'étais toujours derrière. Et voilà qu'il arrive à se mettre. Je ne lui ai jamais, je lui ai rien demandé. Je ne lui ai pas dit que ouais, présente-moi tes amis, je ne suis pas rien du tout. Mais voilà qu'il se met et il présente. Vous allez voir que votre. Beaucoup de choses vont changer dans votre vie quand vous allez faire votre travail. Et je m'appelle peut-être au mois de mars, peut-être. Ou mars, oui. Comme je me déplace beaucoup, ce qui fait qu'on ne se voit pas tout le temps. Il m'écrit, tu es où? Tu es dans quelle ville? Je lui dis, je suis à Libreville. Parfois, il je ne sais pas comment je peux dire. Il va voir ça aussi, quand ça m'écrit. Tu me manques. Donc, je réponds. Après, il m'a béni d'une certaine façon. Vraiment, je te bénis, que tes choses marchent. Je ne veux pas vous mentir. J'ai passé des années à forcer, même à chercher. Pourquoi il ne me bénit pas? Parfois, je lui disais, mais... Tu vois, quand tu as la frustration, il a sorti une bénédiction comme ça qu'il a mis sur moi. Je suis restée comme ça. J'ai senti la puissance de cette bénédiction traverser mon corps. Donc, quand je vous dis qu'il y a beaucoup de travail que vous devez faire, vous devez faire des choses qui vont guérir d'abord vous-même, votre propre esprit. Et quand ton esprit va guérir, tu vas voir que tu n'auras pas de difficulté à te marier. Tu n'auras pas de difficulté à avoir un enfant. Parfois même, vous ne concevez pas parce que votre énergie bloque la conception. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous dise que c'est à cause de vous que vous n'êtes pas marié. Ah, c'est moi, comment? Moi, je suis belle. Je suis... Maman. Le travail spirituel est... Now walk. C'est le travail. Tu restes comme ça parfois, tu... C'est comme si Dieu ouvre un volet. Il dit, parlons de ça aujourd'hui. Tu fuis. Finalement, tu dis, ok, tu viens. Il dit, regarde. Tu vois comment ici, c'est toi qui refusais l'amour, non? Tu vois, non, regarde. Tu as vu le premier message. Tu es d'abord parti sur son téléphone le matin, le jour là pour fouiller. Pourquoi? Tu as passé d'abord 2 semaines à fouiller. Quand tu fouillais, ça, c'est toi qui cherchais. Tu as appelé. Le message de la fille là que tu as vu, c'est toi qui as appelé. Maintenant, quand tu as vu le message de la fille, tu as réagi comment? C'est pour ça que vous devez être très humble quand vous voulez faire un travail spirituel. Parfois, tu peux guérir ta relation avec ton père, ton argent augmente. Tu peux guérir ta relation avec ta mère, le mois là, tu conçois. Tu peux guérir ta relation avec ton enfant, tu as une promotion au boulot. Je ne peux pas vous dire que c'est... Je ne sais pas comment je peux vous dire. Ce n'est pas genre, ok, comme j'ai guéri ma relation avec mon père, ça veut dire que tu ne sais pas ce que ça va venir guérir chez toi. Bien, ça va, la manifestation physique de cette chose. Bon. Travail intérieur. Et on a tous un bagage. Écoutez, vous avez la voirie, on dit quoi là? Donc vous avez Isaac. Hein? Si on ouvre l'intérieur là, Isaac, comme ça, il y a beaucoup. Il y a telle personne. Oui, ton ex là, oui, ça fait 5 ans que vous étiez séparés. Ça part là, c'est. Il est au moins un bac au-dessus de 100 litres. Tu as fermé, tu as mis la clé sur ça. Tu as laissé. Ça se gâte, ça pourrit, ça sent. Ça sent. Ça a en train d'affecter ta relation avec ton mari aujourd'hui. Ton mari, mais c'est chaud. Te voilà. J'ai même des ex souvent que j'ai dû leur écrire plus tard. Bonjour Daisy. Je reste comme ça, j'écris à l'ex là, je dis que je te pardonne.
Et vraiment, c'était fait du mal, pardonne-moi. Parce que parfois, quelqu'un te fait du mal. Tu sors d'une histoire en te disant qu'il t'a fait du mal. Le jour où tu écoutes la version de la personne. En fait, c'était toi la méchante. Pardonnez-moi mes cœurs pour l'autre signe. Parce que je connais. Je connais. Tu fais du mal à quelqu'un. Tu fais du mal, tu fais du mal, tu fais du mal, tu fais du mal. Et dans ton esprit, tu es la victime. Comment il a pu me faire ça? Hein? Comment? Il faut voir l'abus verbal que tu lui tapes alors. Maman, la façon dont tu lui parlais. Il supporte. Il supporte. Il supporte. Ah. Je suis en train de parler de quelque chose. Vous, ça marque, c'est que ma vie est bloquée. Ma vie est bloquée. Toute votre vie se passe au niveau spirituel. Et c'est que, oh, je veux me marier. Oh, je veux ce... Ta vie est au niveau spirituel. Parfois même ton petit, un petit frère peut-être qui ne t'a jamais écouté. Jamais. Du coup, tu as fermé ton cœur, tu as dit que je ne veux même jamais l'aider. Chaque fois, il te raconte tes problèmes, il te raconte, tu dis que je t'ai conseillé deux fois, tu dis trois fois d'aller faire telle chose, tu n'es pas parti faire. Il voulait faire tes papiers pour t'envoyer en Europe. Tu as refusé de m'écouter. Comment faire pour une fille qui se fout de toi après avoir mangé ton argent? Vous là, TikTok, vous m'avez regardé. TikTok. Aubin, arrête de me poser la même question. J'ai vu ta question 50 fois et je ne t'ai pas répondu 50 fois. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le travail spirituel, tu ne dois pas abandonner. Continue. Continue. Remets-toi encore à table avec monsieur. Parlez. Discutez. Discutez. Parlez. Pourquoi tu as fait ça? Il va t'expliquer sa version. Ce n'est que peut-être il y a cela 2 ans que j'ai vraiment compris que j'étais très très dur avec mes ex. Il y a des gens qui ont porté des douleurs qui ont influencé leur mariage pendant des années, des douleurs que je leur ai infligées. J'ai eu un ex comme ça. 11 ans après notre séparation, il me dit qu'il y a des nuits, je pleurais. Ma femme dit que oui, je sais que c'est ton ex là, je sais. Alors que moi j'avais avancé dans ma vie. C'est que, donc vous voyez qu'il y a la relation avec le père, la relation avec la mère, la relation avec ton gars, la relation avec tes ex. Il y a trop de choses. Et parfois tu restes dans ta vie présente et tu dis, ouais, mon ex se moquait de moi, mon ex c'est ceci. Donc ce n'est pas parce que tu as coupé avec la personne, vous avez terminé physiquement. 5 ans plus tard, tu as encore les séquelles de cette relation dans ta tête. Combien d'entre vous, quand vous tombez dans une prochaine relation, vous parlez de votre ex à votre présent garçon? Ou bien femme. Ouais, mon ex m'avait toujours dit que mon ex n'avait pas confiance en moi. Mon ex n'avait pas. Je crois que son ombre est encore dans votre relation. Bien même. Parce qu'il y avait des choses non résolues.
libération émotionnelle. Même les jeunes là, tu es jeune, tu es là, tu n'as pas l'argent, tu galères, tu ne comprends pas. Rentre dans une quête spirituelle. Arrête de chercher seulement physiquement l'argent. Rentre dans une quête spirituelle. Tu commences à travailler sur toi. Le travail du pardon, c'est au moins 80% de votre travail. Pardonne ton ex, tu le pardonnes. Chaque fois que tu te surprends en train de mal parler de ton ex, change ta bouche. Chaque fois que tu te surprends en train de mal parler de ton père. Nos bagages, on te raconte avec nous. Tu rencontres un homme peut-être. Ouais, mon père ne m'a pas aimé quand on grandissait. Mon père, ma mère. Change ces phrases-là. Le matin, peut-être, quand tu fais ton lavage au sel, tu finis. Tu peux t'agenouiller ou pas. Hein. Tu prononces le nom de la personne. Je te pardonne et je te libère. Je te pardonne et je te libère. Je te pardonne et je te libère. Et il y a des douleurs que c'est peut-être, ça fait 10 ans que la personne t'a fait ça. Mais c'est encore frais dans ton esprit. Quand je parle comme ça, son esprit, ton nom revient. Son nom est en train de revenir dans ton esprit. Prononce son nom, tu dis je te pardonne et je te libère. Quand c'est comme ça, il faut voir une énergie qui sort de ton corps. Ou bien tu peux voir la personne comme un ballon, comme le pomper là. Tu vois le ballon, non? C'est le ballon dans lequel on met de l'air. Voilà. Vois le ballon là que tu laisses et le ballon vole, ça monte. Parce que tu as tellement mal parlé de la personne pendant des années que là maintenant, comme tu es en train de vouloir commencer à penser du bien de la personne, ce sera un peu dur. Ce sera un peu dur. Donc tu vas t'entraîner. Ton ex qui t'a abandonné avec les enfants là, pardonne. Et tu vas voir dans la journée, tu seras testé. Quelqu'un va venir. Ton ex là, maman. Parce que la personne est habituée que chaque fois qu'elle vient autour de toi, je ne sais pas, elle vient te visiter, vous parlez mal de ton ex. Tu dis non, je le bénis, non. Ah, c'est comme ça. On ne devait pas être ensemble. Ah, c'est la vie, non. Non, mais ça, je sais comment qu'il avance. Hey, la personne là sera. Elle sera fâchée. Elle sera fâchée. Mais je voulais que tu te détestes. Il faut que tu. Pourquoi tu parles comme ça de lui? Oui, bénis-le. Voilà, tu rêves de ton ex, vous êtes séparés depuis 4 ans. Il y a des attaches d'âme. Donc, quand tu vas pardonner, ton esprit va s'entraîner à libérer la personne. Si la mère n'aime pas ton mari, tout ce que tu peux faire, tu bénis la mère. Tu la bénis. En parlant avec ton mari à la maison, ne parle pas mal de la mère. Parle pas mal de la mère. Toute mauvaise émotion qui est attachée à quelqu'un, bénis. Il y a moi aussi un processus, par exemple, j'avais un ex qui avait une sorte de Mercedes. Et cet ex m'avait fait beaucoup de mal. Et c'est après que j'ai compris que c'est parce qu'il lui avait fait mal qu'il m'a fait mal. Okay? Donc, chaque fois que je marchais dans la rue, je voyais sa voiture. J'avais un mauvais pressentiment. Ce qui fait que constamment dans la journée, j'étais mal. Donc, j'ai commencé à faire une sorte de... J'ai reprogrammé mon subconscient. Chaque fois que je voyais cette voiture, je dis, ah, je le bénis. Donc, ce qui fait qu'à longueur de journée, je pouvais le bénir 50 fois parfois. Hein. Dès que je vois, oh, bless you. Oh, bless you. Bless you. Au début, c'était très difficile. Je ne vais pas vous mentir, ça m'a pris au moins 3 ans. Il y en a aussi, il y a certains de vos ex que vous avez eu des attaches d'âme très fortes avec. Et ils sont morts. Ils reviennent encore dans vos rêves. Ça aussi, vous devez les libérer. Vous devez les bénir et leur parler. Parfois, tu peux même faire une libation. Tu prends de l'eau, tu verses au sol ou bien du vin. Tu dis, je verse ceci en ton nom.
Où que tu sois, je souhaite que tu sois heureux. Et que tu me libères. Le truc, c'est que vous devez faire confiance à vos rites que vous faites. Faites confiance à vos trucs que vous faites. Parfois, vous doutez beaucoup. Car attendez, ça m'a versé, ça va me libérer. Oui. Oui. Et il y a aussi les choses que vous laissez vous préoccuper. Je vois parfois quand je suis en train de faire le direct, il y a beaucoup de personnes qui viennent avec des fausses idées, des trucs qui n'ont pas de... Ça ne t'aide pas. Pourquoi telle personne fait ça? Pourquoi? Alors que ce n'est même pas ça ton problème. Hein. Ton vrai problème, ce n'est pas ça. Pourquoi? Parfois, c'est là où ton énergie part. Tu mets ton énergie sur le même, la mauvaise direction. Et ça te bloque. Voilà. Bon, je pense qu'il est... On a assez travaillé aujourd'hui. Ça fait 1h45 que je suis en direct. Oui, jujube, oui. Surtout, ajouter un liquide. Parce que ça va faire la libation. Bonjour, Maman Christ. Je vous bénis pour cette journée. Ok, inspirez avec moi, inspirez. Expirez par la bouche. Beaucoup d'entre vous, je sens beaucoup de... Vous avez des... Ce que je viens de dire là, ça a provoqué des points, des trucs ici, là. C'était même la bouche. Vous avez été dans des relations où vous empêchez de parler. Ce qui fait que... Quand je parlais comme ça, là, votre langue a commencé à faire mal ou votre gorge. Je sens aussi les bras ici. Je sens aussi le ventre, quelque part dans votre intestin. Je vous libère de toute sensu spirituelle. Ok. Ce que vous allez faire ce soir, vous allez vous laver avec du... Vous allez vous laver avec du citron. Vous allez suivre. Donc tu prends le citron. Peut-être 3 citrons. Il te faut assez de jus. Tu frottes sur ton corps. Et en frottant sur ton corps, tu dis que tu es en train de te débarrasser. Je vois beaucoup d'accroches. C'est des mauvais esprits là, carrément. C'est comme des mauvais esprits. Bonjour Marie. Comment tu vas? Pour le citron, même si tu as les menstrues, tu peux le faire. Tu frottes sur ton corps. Donc tu prends juste du citron pur. Tu frottes sur tout ton corps. Et le lémon, le citron ou le lémon, non, pas le melon, le lémon, on dit lemon. Donc tu frottes ça sur ton corps, ça va enlever, vous avez beaucoup de, je sens des mauvais esprits. Écoutez, là le monde de l'esprit est, les idées, les entités négatives qui viennent s'accrocher sur vous viennent sous forme d'idées, des idées qui s'accrochent dans votre cœur. Et sur votre corps. C'est pour ça qu'il y a des personnes que quand tu les vois, ton corps fait un jas. Soit c'est en positif, soit c'est en négatif. Et il y a des personnes qui portent aussi des mauvais esprits sur eux. Quand ils viennent à côté de toi, ils parlent avec toi, bien, tu sens ça sur toi. Donc quand tu parles, tu es en train de libérer ton esprit. Les paroles que nous disons sont des esprits. Jean 6, verset 66. Jean 6, 63, pardon. 6, 63. John 6, 63. Les paroles que je vous dis sont esprit et vérité. C'est Jésus qui l'a dit. Donc Jésus savait que toute parole qui sortait de sa bouche, c'était des esprits. Comme là, vous m'écoutez, vous recevez mes esprits chez vous, que vous le voulez ou pas. Dès que ma parole entre dans ton oreille, tu es en train de recevoir mon esprit sur toi. Donc, tu dois d'abord pardonner ces personnes. Je te pardonne, je te libère. Quand tu prends le citron, tu peux presser peut-être même 3-4 citrons. Tu prends ça, tu frottes ton corps avec tout ton corps. Ou tu prends, tu appuies, tu prends le citron, même tu frottes comme ça. Mais comme c'est tellement petit, je me dis si tu prends le jus même, tu peux mettre un petit gant, tu mets sur tout ton corps.
pas d'avoir mis sur tout le corps maintenant. Tu prends ta douche. Tu prends ta douche maintenant. Avec un gel douche qui sent très bon. Ça va enlever. Je sens beaucoup de lourdeur chez vous. Et faites ça. Si vous voulez aussi faire ça, vous faites la libation dont j'ai parlé. Faites ça le matin et le soir. Vous pouvez faire ça matin et soir pendant 3 jours. Ça va vous permettre de libérer vos ex. Ça va vous permettre de libérer, d'accepter. Parce que certains parmi vous, vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui vous aime. Vous n'acceptez pas. Ne croyez pas que c'est possible. Bon, j'ai assez à parler. OK? Consultation, vous avez les numéros là. Les produits, vous connaissez à la routine. Achetez vos kits. Si vous venez d'arriver, il y a les lavages. On fait les lavages à distance. Donc, cette semaine, on fera les lavages vendredi. Il y a aussi les offrandes à l'eau. Donc, si vous avez une situation particulière qui vous bloque, des papiers que vous attendez, vous voulez vous marier, je ne sais pas trop quoi, on peut... on fait l'offrande à l'eau. J'avais dit que j'avais fait la promotion de l'offrande à l'eau. C'était 50 000 pendant 2 semaines. Donc, maintenant, l'offrande à l'eau, c'est 100 000 francs. Oui, étant enceinte, tu peux faire. C'est 100 000 francs. Donc... quand vous envoyez l'argent, vous envoyez votre nom et s'il y a une situation qui vous bloque particulièrement. Maintenant, généralement, quand je pars faire, il y a des choses aussi qu'on me montre. Et puis, je prie aussi pour ça. Voilà. On a fait l'autre vendredi, samedi passé, je pense. Samedi. On avait envoyé les vidéos. Donc, si vous avez à payer pour l'offrande à l'eau la semaine passée, vous n'avez pas encore reçu votre vidéo, vous demandez. Les lavages à distance coûtent 55 euros. En France, CFA. 33 800 au Cameroun, Côte d'Ivoire et Gabon, c'est 40 000. Vous envoyez votre photo, portrait et votre nom. Ça, c'est le lavage de purification, de déblocage, même les choses dont je viens de parler ici. Il y a les lavages aussi pour enlever ça. Vanessa, il faut prendre le numéro de Yaoundé, ne me dérange pas. Yaoundé livre à domicile, appelle Yaoundé, tu demandes. Je ne préfère pas parce que si on te demande 2 000 francs pour venir te livrer à domicile, si tu vas payer les 2 000, il n'y a pas de souci. Le numéro de Yaoundé, c'est le 655-31-07-50. 655-31-07-50. Appelle Yaoundé, tu demandes. Voilà les questions que vous pouvez écrire au service client, vous demandez. Si tu es en train de faire le direct, tu veux que je prenne du temps pour parler de ça. Tu veux qu'écrire ça depuis dans le direct. Donc, au Gabon, je suis à Libreville. Saint-Germain. On va acheter les produits. Il y a aussi les kits. Donc, si vous avez écouté ce que j'ai dit, et il y a des trucs générationnels que vous voulez enlever sur vous, vous prenez un kit fondation. Pour enlever ça, votre kit clé fondation et kit de déblocage plus plus. Voilà les deux kits clés qui vont vous aider là-dessus. Il y a aussi les gens qui sentent beaucoup de choses dans leur oesophage là. Prenez le kit, la poudre de désenvoûtement. On a un thé de désenvoûtement. Thé de désenvoûtement. Vous demandez ça. Ça va vous aider. Vous prenez le thé 2 jours. Vous buvez. Le troisième jour, vous pugez avec. 2 jours, vous buvez. Troisième jour, vous pugez avec. Il y a beaucoup de gens avec des glaires là. Ça s'arrête-il la glaire. Et la glaire que vous avez généralement à l'œsophage, ce sont les mauvais esprits qui viennent s'accrocher. Pour vous bloquer. Donc, le numéro du Gabon, c'est le 07 41 80 080. 07 41 80 080. Donc, si vous avez une situation, donc tu veux demander un visa ou bien une situation précise, vous pouvez prendre le kit déblocage. Si vous avez un business, une activité, vous voulez que ça marche, vous prenez le kit commerce. Le kit commerce, il y a dedans, il y a le bâton de commandement, il y a plein de trucs que tu vas verser dans ton local, il y a des choses que tu vas te laver avec, d'autres choses que tu vas mettre dans ta caisse pour le kit commerce. Vous écrivez, on va vous donner les prix. Parce que les prix varient en fonction des pays. Le prix que je donne au Cameroun, ce n'est pas le même prix en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a le transport qu'on va mettre. Au Cameroun, je vais donner les prix du Cameroun. En fonction de votre pays, vous allez augmenter. En France, le kit déblocage plus plus à Paris, c'est 150 euros.
Au Cameroun, c'est 55 000 francs. Donc, vous voyez qu'on doit mettre le transport dessus. Au Cameroun, c'est 55 000 francs. (0741) 80 080. Ça, c'est le numéro du Gabon. Pour la Suisse, 00237 680 70 07 01. Linou, je bénis ta dîme. Pour ceux qui ont envoyé les dîmes, je bénis vos dîmes. Au nom de Jésus, je bénis vos dîmes. Je déclare sur vous l'abondance. Je déclare sur vous l'ouverture des portes. Donc 680-71-0701. Vous mettez 237 devant. Ça, c'est pour peu importe le pays d'où vous me regardez. Ce numéro va vous diriger vers la personne qui vend dans ce pays. S'il n'y a pas quelqu'un, on va envoyer, on va poster les produits. Pour la France, tu écris aussi au 00237-680-71-0701. On va te donner le numéro de la personne de France. Il y a quelqu'un à Paris. L'Italie, c'est le même numéro. Quand ils vont me demander encore vos pays là, écrivez-vous, dites que je vis dans tel pays. Je vis dans tel pays. (00237) 680-71-0701. USA is the same. 00237-680-6710-7-0701. Côte d'Ivoire, les produits vont arriver à Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc si vous contactez ce numéro, il y a même un groupe que j'ai créé pour la Côte d'Ivoire. Donc si vous m'écoutez de la Côte d'Ivoire, on peut vous mettre dans ce groupe. Donc, on pourra faire les lavages en Côte d'Ivoire à partir de peut-être demain ou après-demain. Et vous pouvez passer à Abidjan prendre vos produits aussi. Merci, miracle de Dieu. Bon, écrivez sur le 680, vous demandez le numéro de Côte d'Ivoire, le groupe de Côte d'Ivoire, on va vous mettre là-dedans. Donc, contactez le 00237 680 71 07 01. Si vous voulez la consultation, vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est 40 000. Si vous voulez la consultation, vous êtes au Gabon, c'est 40 000. Ne venez pas vous me regarder comme ça, je ne veux pas. Mais quand vous asseyez, vous écoutez mes vidéos. Et quand on vous dit que vous voulez venir pour une consultation, vous vous devez payer. Au Cameroun, en attendant que je me déplace pour aller au Cameroun, on travaille à distance. On fait vos lavages à distance, on fait vos offrandes à distance, on fait vos consultations à distance. Vous savez que je ne suis pas encore allée en France. Depuis un an, je ne suis pas partie en France. Mais je travaille avec les gens de la France sans souci. Donc, s'il y a quelqu'un au Cameroun ou bien en Côte d'Ivoire ou n'importe où, tu ne veux pas qu'on travaille à distance sur toi, il faut laisser. Pas compris, non? Je sais que parfois, vous croyez que vous êtes spéciaux. Non, moi, je veux seulement te voir, Laissez. Et maintenant, vu le nombre de personnes qu'il faut consulter, je ne suis plus seule à consulter. Donc, vous pouvez prendre la consultation, ce n'est pas moi qui vous consulte. Maintenant, il y a aussi des personnes qui viennent payer de double prix. Il y a des gens qui viennent au Cameroun, ils paient 60 000. Là, ils sont ceux qui vont parler avec moi. Ils vont parler avec moi. Quand tu viens à Douala, dans le local de Douala, tu es sûr que tu pourras me parler dans les 30 minutes qui arrivent. Donc, il y a une file d'attente, je précise, je vous en prie. Il y a une file d'attente. Oui, le roi Georges consulte souvent. Je préfère vous dire, je préfère préciser tout ça maintenant. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas OK, qu'il n'envoie pas son argent, ça va éviter les problèmes. Et si vous venez parce que vous attendez les mauvaises nouvelles, les choses comme ça, là, vous êtes tombé à la mauvaise porte. On ne n'envoie même pas l'argent d'autoconsultation. J'aime bien, vous dis-moi clairement. Pierre Hervé, je bénis ton offrande. Donc, si vous faites un envoi sur Western Union ou bien RIA, ne faites plus de Western Union pour l'instant parce que je crois qu'on atteint le quota mensuel de retrait de Western Union. Donc, RIA, ça va, RIA, parce que RIA, ils font toujours jusqu'à l'infini.
Donc, si vous envoyez, vous faites une photo du bordereau pour vous envoyer pour qu'on puisse te retirer. Donc, je viens bénir vos offrandes et vos dîmes. Je déclare l'augmentation sur vous. Je m'accorde avec la prière. Je vous demande toujours, quand vous payez vos offrandes ou encore la dîme, faites une prière dessus. Ne sortez pas seulement votre argent comme ça. Vous devez parler dessus. Seigneur, je me libère de telle chose avec cet argent que je paye. Seigneur, je viens comme ça demander la libération de mes enfants. Je viens demander l'ouverture sur mon business. Mais la consultation au Cameroun, tu écris au 680-71-0701. 680-71-0701. La vidéo de libation est sur TikTok. Allez regarder mes vidéos TikTok, s'il vous plaît. La fumade en chef, tu dis que je suis très honnête. Hein. Mais il y a des gens qui vont venir, ils vont trouver toujours un truc dessus. Ils vont trouver. Ils vont trouver. J'ai toujours les Decepticons qui arrivent. Oh, tu ne m'as pas dit qui m'a bloqué. Tu ne m'as pas dit comment on a fait pour me bloquer. Tu ne m'as pas dit. Et te montre comment guérir. Tu ne veux pas aller. Parce que tu ne veux pas guérir en fait. Voilà. Ok, je bénis votre journée aussi. Je déclare que le travail que vous avez commencé sur vous-même, qui va aboutir, je déclare qu'il ne va pas avorter. Et si quelqu'un m'écoute, il n'a pas l'argent pour payer mes produits ou n'importe quoi. Je vous donne trop d'astuces ici. Pas à commencer à faire. Les gens disent, si j'ai fait, mon argent est venu. Oui, quand l'argent va venir, si tu penses que tu veux venir me payer une consultation chez moi, tu payes. Si tu penses que tu ne veux pas, il n'y a pas de souci. Mais va d'abord faire, tu vas voir ton argent va augmenter. Je bénis votre travail spirituel. Je déclare que personne ne va vous décourager. Personne ne va vous décourager de continuer le travail que vous avez commencé. Je viens mettre sur vous l'augmentation, l'ouverture des portes. Je vous fortifie. Voilà. Et c'est aussi qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas dépenser. Vous n'aimez pas dépenser pour votre travail spirituel. Vous aimez toujours le gratuit. Gratuit, donne-moi. Vous m'amusez trop. Facebook, bye bye.